La reine est devenue folle à cause de la jalousie. Et elle veut votre mort. Alors je vous en prie, mademoiselle, quittez vite ce château. Fuyez, fuyez tant qu'il en est encore temps. J'ai fait le meilleur choix. Tu te trompes. Même si cette femme serait très loin du château, elle ne sera jamais à l'abri de la mort. Et tu ne peux rien faire pour la protéger. Jeune homme, de m'avoir sauvé de ce sanglier. Le tout d'une façon impressionnante. De rien. Si tu vas bien, c'est l'essentiel. Hey, mais attends une seconde. T'es une fille, non? Oui. Pourquoi cette question? Eh ben, mon grand-père m'a toujours dit d'être gentil avec les filles. Et ton grand-père a bien raison. Oh oui, je confirme, t'es bien une fille. Je peux comprendre ce que tu veux faire, mais on n'enlève ni la robe d'une fille, ni regarder sous la robe d'une fille. Ça ne se fait pas, c'est tout. Ah bon, d'accord, je m'en souviendrai. Mais en fait, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, eh ben, parfois il y a des gentilles filles, parfois il y a des méchantes filles. Et c'est le cas pour la reine qui vit dans ce château, car elle veut me tuer. Quoi? Mais pourquoi? Raconte qu'elle est devenue folle à cause de la jalousie. Et c'est pour ça qu'elle veut me tuer. Alors je cherche un refuge pour me mettre à l'abri de sa folie. Mais pour l'instant, je n'en trouve pas. Eh ben, si tu cherches un abri, j'habite dans la maison de mon grand-père. Tu pourrais vivre avec moi. C'est vrai, je peux? Bah bien sûr que tu peux, je t'y invite. Merci beaucoup. En fait, comment tu t'appelles? Ah oui, pardon, je m'appelle Jinro. Enchantée, moi c'est Lera. Attends une seconde, tu emportes le sanglier avec nous? Bah oui, normalement je suis là pour chasser. Et là, je viens d'avoir trouvé de la bonne grosse viande. T'as raison. Le chasseur nous a trahis? Oui, Majesté. Il n'a pas eu le courage de tuer la fille. Mais heureusement, je l'ai exécuté en guise de punition. Tu l'as bien fait.
Mais en attendant, Lera est toujours en vie et en liberté. Je sais, Majesté, mais ne vous inquiétez pas. Selon les rumeurs, il y a dans cette forêt un monstre très dangereux qui apparaît pendant les pleines lunes. Il pourrait tuer Lera sans qu'on ait à lui demander. Dois-je comprendre qu'il faut attendre la prochaine pleine lune pour que ce monstre apparaisse et tue Lera sans qu'on ait à lui demander? Tout à fait, Majesté. Je vois. Mais voyez-vous, il y a un tout petit détail lequel vous n'avez pas pensé. Je n'ai pas la patience d'attendre la prochaine pleine lune. Alors trouvez Lera et tuez-la immédiatement. Oui, bien sûr, Votre Altesse. Elle m'a bien fait mal aux moustaches. Et si tu ne l'as pas tuée, tu pourras me dire où elle se trouve, pour éviter le pire qui t'arrivera.